moi les gens qui vont m'aider. So, la force d'un leader, c'est son équipe. Et donc, il faut savoir que ceux qui aident une foule, les membres de notre église, ils n'auront plus l'air fatigués ni languissants s'il y a des ouvriers. Et j'ai béni Dieu pour ta présence. Maintenant, le Seigneur, dans ce texte-là, cite trois choses sur lesquelles je vais te laisser cet après-midi. La Bible dit, voyant la foule, dis avec moi la foule. Ça, c'est la première chose. La Bible dit, elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Dis avec moi la moisson. Ça, c'est la deuxième chose. Et dit, priez pour que le maître puisse envoyer les ouvriers dans sa moisson. Donc, il y a la foule, en d'autres mots, la moisson. C'est la même chose. Parce qu'il a dit, il a vu la foule, il a dit la moisson est grande, en voyant la foule. Donc, première chose là-bas, c'est la foule ou la moisson. Deuxième chose, les maîtres de la moisson. Troisième chose, les ouvriers. Je les mets maintenant dans un ordre d'importance. Première chose, les maîtres. Deuxième chose, la foule. Troisième chose, les ouvriers. Première chose, les maîtres. Deuxième chose, la foule. Troisième chose, les ouvriers. La relation triangulaire où s'exerce ton leadership. Le leadership dans l'église s'exerce dans une relation triangulaire, une relation à trois côtés. D'un côté, il y a le maître, de l'autre côté, il y a la foule, et de l'autre côté, il y a la moisson, l'ouvrier. C'est lui qui sert dans la moisson, c'est lui qui sert dans l'église, qui ne maîtrise pas cette relation à trois côtés, peut servir avec beaucoup de difficultés. Alléluia. Peut servir comment? Avec beaucoup de difficultés. Regarde mon voisin, béni le dit, maîtrise la relation triangulaire. Parce que ton leadership dans l'église s'exerce dans le cadre de ce triangle-là. Le Seigneur a dit, il y a une moisson, il y a le maître de la moisson et il y a l'ouvrier. Donc la première personne dans la relation triangulaire, c'est qui? C'est le maître. Il faut comprendre le maître. Le maître, c'est qui? Le maître, c'est celui qui lance l'appel à l'ouvrier. Le maître, c'est celui qui te recrute. Le maître, c'est celui pour qui tu travailles. Amen. Amen. C'est très important de réaliser ça. C'est très important de réaliser ça. C'est comme ça que dans l'église, nous avons beaucoup de blessures, nous avons beaucoup de départs précipités, nous avons beaucoup de problèmes parce qu'un ouvrier sert dans la confusion parce qu'il pense que le pasteur est son maître. Il y en a même qui sont encore dans une plus grande confusion parce qu'ils pensent que la moisson est son maître. Et c'est là que si tu demandes au frère pourquoi tu n'es plus venu, parce qu'il y a quelqu'un qui ne m'avait pas salué à la porte. Ça veut dire que c'est lui le patron. Est-ce que tu comprends ça? Le maître, c'est celui qui lance l'appel à l'ouvrier. C'est celui qui t'appelle. Parce que ça commence là, l'appel. C'est-à-dire c'est lui qui t'avait connu avant dans l'éternité et qui a révélé cet appel à un certain moment dans les temps. Tu n'es pas appelé le jour où on t'a évangélisé. Tu étais déjà dans le programme de Dieu, mais il fallait que Dieu te révèle son appel. Paul a été choisi avant, mais sur le chemin de Damas, c'est le moment de révélation. C'est comme ça qu'il dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part de révéler le Fils. C'est là qu'il a la révélation du Fils de Dieu, que Jésus n'est pas un imposteur, mais il est le Fils. Donc, le Seigneur va t'appeler. Alléluia. Le Seigneur va comment? T'appeler. Le Seigneur va t'appeler et il va te révéler le moment de ton appel. Maintenant, quand le Seigneur t'appelle, c'est la première étape. Beaucoup de gens vont dire maintenant, pourquoi depuis que je sers Dieu, les grâces ne se manifestent pas? Les choses n'avancent pas. Tu sais pourquoi les choses n'avancent pas? Parce que tu n'as pas répondu à l'appel.
Ce qui libère la puissance de Dieu pour que les choses de Dieu commencent à se manifester, c'est que la personne appelée accepte l'appel. Alléluia. Amen. Regarde mon voisin, dis-lui, accepte l'appel. Et voisin répond lui, qui t'a dit que je n'ai pas encore accepté? J'ai déjà accepté l'appel. Alléluia. Donc, celui qui est appelé doit accepter l'appel. Doit accepter l'appel. Mais tu vas me dire, pasteur, mais moi je sers déjà. Mais comment tu me dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent mais n'ont pas encore accepté l'appel. Parce qu'ils servent dans le doute. Ils servent en train d'essayer. Ils veulent voir qu'est-ce que ça va donner. Ils veulent voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que tu comprends ça? Le fait que quelqu'un est entré dans un magasin, il a porté la veste, ça ne veut pas dire qu'il va acheter. Parce que peut-être il a porté pour essayer. Oh? Je comprends. Ne parle pas. Tu es marié, non? Tu es marié. Et je comprends. Moi, on m'a fait ça il y a 2 jours. Regarde les choses ici. Regarde-les. Elle-même a eu pitié de moi. Oh, trouve une place pour t'asseoir. J'ai dit, est-ce que tu as vu une chaise ici? Va seulement. Puis quand elle revient, il dit, donne-moi encore ça. Est-ce que tu m'as donné? Est-ce que j'ai déjà essayé ça? J'ai dit, maman, essaye seulement. Mais tout ce qu'elle a essayé, après, elle a dit, non, ça ne marche pas. Ça ne tient pas. Ça, c'était trop petit. Donc, le fait que quelqu'un est dans le service ne veut pas dire nécessairement qu'il a accepté l'appel. Parce qu'il y a des gens qui essayent pour voir les services, c'est comment. Pour voir, est-ce que c'est difficile? Est-ce que les gens vont me respecter? Est-ce qu'on va m'insulter? Tu sais, j'étais dans l'autre église, on m'avait beaucoup insulté. Hein? Je viens dans cette église, je vais d'abord essayer. Mais les gens qui n'acceptent pas l'appel ne passent pas à la deuxième étape. Le maître va t'appeler, mais c'est l'acceptation de l'appel qui libère la vie des gens. L'acceptation de l'appel. Tu sais pourquoi nous n'acceptons pas l'appel? Parce que l'appel nous amène à marcher sur des terrains inconnus. Voilà pourquoi les gens, nous, en tant qu'hommes prudents, nous voulons d'abord essayer. Et si ça marche, je m'engage. Mais Dieu ne cherche pas des gens qui veulent essayer. Dieu cherche les gens qui acceptent l'appel par la foi. Je vais te donner un exemple dans la Bible. La Bible dit ceci, Anne a accouché Samuel et Anne amène Samuel dans le temple. Tu sais, quand Anne amène Samuel dans le temple, la Bible dit, la voix de l'Éternel n'était pas encore bien maîtrisée par l'enfant. Et l'Éternel appelle Samuel, Samuel, Samuel. Tu sais ce que Samuel fait? Il dit, me voici, mais il va chez l'homme. Il ne dit même pas, me voici, mais il court chez l'homme. Voilà, c'est ce que la Bible dit. La deuxième fois, il fait la même chose. Mais le problème, c'est que quand Dieu appelle Samuel, est-ce que Samuel écoute la voix, oui ou non? Oui, parce qu'il se lève, il court vers Élie. Donc, il a écouté la voix. Mais pourquoi, quand chaque fois qu'il écoute la voix, Dieu ne lui dit pas pourquoi il a appelé? Pourquoi Dieu ne lui parle pas? Parce que l'enfant écoute, l'enfant réagit, l'enfant répond. Mais pourquoi Dieu ne parle pas en disant, Samuel, c'est moi qui t'appelle, arrête-toi, ne va pas chez Élie. Regarde, non. La Bible dit, Élie va lui donner un conseil. Il dit, la prochaine fois qu'il va t'appeler, dis-lui, mais voici Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Dieu, quand il t'appelle, il ne parlera pas de la suite si tu n'acceptes pas d'abord. Voilà pourquoi tu dis toujours, je ne connais pas vraiment mon ministère. Je ne connais pas vraiment mes dons. Comment je peux connaître ma destinée? Tu sais, toutes ces questions-là se répondent très facilement. Si tu sais que Dieu t'a appelé, tu lui dis seulement oui. Je ne sais pas si la chorale, je ne sais pas si la prédication, je ne sais pas si ça sera comment, je ne sais pas si j'ai les dons prophétiques ou les dons de guérison ou les dons de délivrance. Les gens attendent d'abord en disant que Dieu m'explique d'abord et je vais choisir si c'est bon, si ça ne me créera pas beaucoup de problèmes, si ça me donnera assez d'argent, si ça fera ceci. C'est comme ça que tu as étouffé beaucoup de choses qui sont déjà en toi.
ceux qui libèrent les dons, pour que tu connaisses les dons, les grâces, les choses et tout ça, répond seulement à l'appel sans beaucoup de questionnements sur les assurances. Merci. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Deuxième exemple que je peux te donner, parce qu'il faut au moins deux pour que tu puisses accepter. Moïse est dans les buissons ardents. Moïse est dans les buissons ardents et le Seigneur l'appelle Moïse, Moïse. La Bible dit, il voulait se détourner pour voir qui l'appelait. Quand on l'appelle Moïse, on ne dit rien. Pourquoi on ne dit rien? Il n'a pas encore dit, mais voici. Et quand il dit, mais voici, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. So, tu vois, le fait que Moïse n'acceptait pas, Dieu ne parlait pas. Il se limitait à appeler. So, si nous nous engageons à accepter l'appel de Dieu, boum, il va commencer à nous dire pourquoi il a appelé. N'est-ce pas? Tu es à la maison, tu appelles ton enfant. Gaylor, 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 Gaylor. Pourquoi tu fais seulement Gaylor, Gaylor, Gaylor? Parce que tu entends qu'ils disent comment? Oui, maman. Et dès qu'il dit oui, maman, amène-moi les babouches. Et quand il amène les babouches bleues, c'est là que tu précises la couleur. Rentre, va les prendre, les rouges. Donc, l'acceptation de l'appel t'amène à la deuxième étape, la découverte du ministère. C'est-à-dire la découverte du service pour lequel le maître t'a appelé. Première étape, c'est quoi? L'appel. Deuxième étape, c'est quoi? L'acceptation de l'appel, pas la découverte des dons. Voilà pourquoi les prières ont pris longtemps, parce que tu demandes à Dieu de révéler les dons pour un appel que tu n'as pas accepté. N'est-ce pas? So, Dieu, Samuel, Samuel, tu n'acceptes pas, je ne parle pas. Samuel, Samuel, tu écoutes, comme tu n'as pas accepté, je ne parle pas. Le jour où tu dis, mais voici, j'ai dit, je vais faire des choses qui vont étourdir les gens. Donc, si nous acceptons l'appel de Dieu, le maître nous appelle, nous acceptons l'appel. Première chose, l'appel. Deuxième chose, l'acceptation de l'appel. Troisième chose, la découverte du ministère. Le mot ministère veut dire service. Tout ce qui se fait à l'église est un ministère. Et comment? Un ministère. C'est dans les églises et dans les écoles qu'on a fait la distinction. On dit, moi j'exerce un ministère, toi tu aides à ranger les chaises. Mais le mot ministère veut dire service. Il ne faut pas trop spiritualiser les choses que Dieu n'a pas spiritualisées. Il ne faut pas faire des confusions, parce que je vois déjà les gens en train de dire Éphésiens chapitre 4, ça ne dit pas que arranger les chaises est un ministère. Mais le ministère d'Éphésiens chapitre 4, hello, la Bible appelle ça le ministère d'édification. C'est-à-dire que tous les ministères ne sont pas des ministères d'édification des autres ministères. So, Éphésiens 4, ce sont des ministères au service des ministères. La Bible dit pour édifier et bâtir les saints pour l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que les ministères d'Éphésiens, ce sont des ministères que Dieu donne pour aller exciter les autres ministères, former les autres ministères et pousser les autres ministères. Mais le mot ministère lui-même veut dire tout simplement rendre un service. Donc tout celui qui rend un service, il rend un ministère. Même si son ministère n'est pas le ministère d'édification des autres ministères, mais c'est le ministère pour servir le peuple de Dieu. Regarde mon voisin, dis-lui, j'ai un ministère. Donc, première étape, c'est quoi? L'appel. Deuxième étape, c'est quoi? L'acceptation de l'appel, pas la découverte des dons. Troisième étape, c'est la découverte du service ou du ministère. Je ne suis pas à l'école biblique, je ne peux pas commencer à être trop technique maintenant avec la confusion que même moi, en tant qu'un enseignant de la parole que je fais souvent, tu sais, Dieu m'a appelé au ministère et Dieu m'a donné un appel pastoral. Il n'y a pas d'appel pastoral, il n'y a qu'un ministère pastoral. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'appel pastoral. Mais quand on est dans la foule, on dit ça, mais quand je suis à l'école biblique, tu ne peux pas dire ça. Parce que Kaleo Klesis, qui veut dire appel, et diaconeo liturgia, qui veut dire ministère, ce n'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas d'appel prophétique, il n'y en a pas. L'appel, c'est la convocation de Dieu. Les prophétiques, c'est quand tu as dit oui, on te dit, toi, les prophétiques. Toi, le pastorat, mais tout le monde est appelé. L'appel, c'est la sainte vocation de Dieu. N'est-ce pas? Sainte vocation de Dieu. Et c'est les ministères qui sont différents.
Et c'est ça qui distingue les choses. Il n'y a pas de distinction d'appel, il y a des distinctions de ministère. L'appel, invitation, j'ai dit oui, on m'a dit pourquoi on m'a appelé. Pour préparer l'eau, pour préparer la viande ou pour préparer le pain. L'appel, c'est allô, viens. Ministère, prépare l'eau. Lui, prépare la viande. Amen, hein? Donc, mais faisons cette confusion quand on sert dans la foule, mais quand tu es dans ma classe biblique, tu ne fais pas ça, tu vas échouer. Alors, première chose, appel par le maître. Deuxième chose, l'acceptation de l'appel. Troisième chose, la raison pourquoi il m'a appelé, autrement appelé quoi? Ministère. La raison pourquoi il a appelé. Quatrième chose, ou troisième en tout cas, que le maître va donner à l'appelé, il va te donner les dons. Tu vois, les dons viennent renforcer le service. Les capacités qui soutiennent le service. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des dons qui ont le même nom que le service, il y a des dons qui n'ont pas le même nom que le service. Donc je peux être appelé au service d'être un pasteur, mais pour mon ministère pastoral, Dieu peut me donner les dons de guérison pour soutenir ce ministère. Il peut me donner les dons d'enseignement pour soutenir le ministère. C'est comme ça que dans une église, il y a des pasteurs qui sont très forts en enseignement, alors que les autres sont trop forts en suivi d'âme, et les autres sont même dans la guérison, les autres dans la délivrance. Mais il y a aussi des dons qui ont le même nom que les ministères. Par exemple, la prophétie. Donc tu peux avoir le ministère d'un prophète, ou tu peux juste avoir les dons de prophétie sans avoir le ministère d'un prophète. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. C'est parce que les dons vont opérer à trois niveaux, n'est-ce pas? Le premier niveau, c'est que tu les fais une fois quand Dieu en avait besoin. Le deuxième niveau, c'est que tu les fais souvent. Le troisième niveau, c'est que Dieu te fait asseoir dans l'office, dans le ministère. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui peut prophétiser et quelqu'un qui peut être prophétique, c'est-à-dire que souvent dans des réunions, quand l'onction est là, il va parler, et puis quelqu'un qui est un prophète comme papa. Sur moi, je reçois des messages, je donne des prophéties, je ne suis pas un prophète. Je peux être prophétique parce que je suis fils d'un prophète. So, il y a un peu d'onction sur moi. Je suis fâché contre lui. Parce qu'un jour, je lui ai dit, you have to pray for me. I need to be a prophet. Il m'a dit, you are not a prophet. Je dis, ah, papa. Tu vois? Parce que lui est un prophète et un apôtre. Il m'a dit, toi, tu as pris le côté apôtre, pas le prophète. J'ai dit, zut alors. Et puis après, quand il prie pour ma femme, il commence à dire, ah, oh, my daughter, receive the prophetic anointing. J'ai dit, oh, le. Amen. Donc, je peux donner un message, mais je ne suis pas un prophète. Je peux être prophétique, mais je ne suis pas un prophète. Donc, celui qui amène une âme du monde dans l'église n'est pas un évangéliste. Il a évangélisé. Il y a des gens qui sont évangélistiques. C'est-à-dire, souvent, ils amènent les gens. Mais un évangéliste, c'est quelqu'un qui comprend le message et qui peut former les autres et qui peut enseigner l'Église sur l'évangélisation. Il ne sait pas seulement gagner les âmes. Il peut parler de ça et il peut coacher dans les domaines. Celui qui commence à coacher dans les domaines exerce ça maintenant au troisième niveau. Première chose, l'appel. Deuxième chose, l'acceptation de l'appel. Troisième chose, la raison pourquoi il a appelé, autrement appelé, ministère. Quatrième chose, ce qui va soutenir mon ministère, c'est quoi? Les dons. Cinquième chose, les valeurs. Les valeurs qui viennent protéger le caractère de l'appelé. Les valeurs. So, il n'y a pas de service sans un certain nombre de valeurs. Et quand tu viens servir dans une église, l'église va avoir les valeurs communes. N'est-ce pas? So, tu dois être serviteur qui adhère aux valeurs et qui développe tes propres valeurs. Parce que les valeurs, ce ne sont pas les dons. Les valeurs, ce sont des choses qui protègent les dons. Les valeurs, ce sont des choses qui font que le don est demandé. Les valeurs, ce sont des choses qui empêchent les gens de dire, tu es un, mais on ne veut pas de toi. Est-ce que tu comprends ça? Les valeurs, c'est que tu vois beaucoup de choses en esprit, mais merci.
est-ce que tu peux aller dans l'autre église? Tu guéris beaucoup de malades. Voilà pourquoi on ne veut pas de toi ici. C'est ça, ça c'est un problème de valeur. C'est-à-dire qu'il est appelé, il a accepté l'appel, il a découvert la raison, autrement appelé ministère, il a un don, mais il n'a pas développé les valeurs. Les valeurs, c'est ce que tu gardes quand les conditions changent. Les valeurs, c'est ce que tu protèges quand la situation est difficile. Est-ce que tu comprends ça? Les valeurs, par exemple, la loyauté. Tu gardes ta loyauté même si les situations changent. C'est lui qui change de loyauté parce qu'on change de circonstances autour de lui, on change de poste, on change de grade, n'a pas été loyal en fonction des valeurs. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu n'as pas été loyal en fonction des valeurs. Moi, avant de lancer l'église Sénat, j'étais tellement, comme j'ai dit ici dans le ministère de délivrance, des choses comme ça. Alors, les combats commençaient à s'élever, on m'accusait, on faisait des choses. Et puis, on commençait à attaquer mon épouse et tout ça là. Dans les cultes comme ça, les moments de la louange, elle s'élève. Et moi, je suis le prédicateur les plus utilisé. Plus utilisé que le pasteur. Et donc, mais ma femme s'élève, louange de Dieu, hein. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas un disque demandé dans un bar. C'est la louange de Dieu. Elle s'élève. Moi aussi, je m'élève. On veut danser. La femme du pasteur vient, la tient ici. Il dit, assis-toi, toi, tu ne vas pas louer. Eh, Dieu! Et c'est moi, le mari, qui va prêcher. Après, c'était trop. J'ai parlé avec mon pasteur pour dire, est-ce qu'il y a un problème? S'il y a un problème, dites-moi. J'ai commencé même à dire à ma femme, toi tu me caches des choses, toi tu déranges les gens là-bas à l'église. Et elle a pleuré pendant 2 semaines. Et j'ai vu que non, c'était trop. Et puis, comme moi je me plains pas, je dis rien, mais ce jour-là, j'ai quand même parlé. Et mon pasteur a eu peur. Il a dit, viens, je vais parler à ma femme, ça doit arrêter. Donc, je faisais des choses, je pars dans une ville, j'ai fait des, il y avait des délivrances. Tu sais, à l'époque, je suis jeune, fougueux et tout ça là. Et puis, on rentre dans notre ville, on m'a donné une équipe de 5 personnes. On rentre dans notre ville et les gens commencent à prier à haute voix. Les gens qui m'ont accompagné dans la mission commencent à prier. Parce que j'ai prêché le matin dans une ville, je prêche l'après-midi dans une autre ville, l'équipe m'accompagne. Et il y a une sœur qui commence à prier. Oh Seigneur, je t'ai béni. Les choses que j'ai vues là-bas m'ont dépassé. Qu'on laisse seulement ces garçons tranquilles. Oh! Mais laissez tranquille, David, vous m'avez tenu quelque part. Nous sommes allés en mission ensemble, mais quelqu'un dit à cause de ce qu'il a vu, il préfère me laisser tranquille. Qu'on arrête de les combattre, qu'on les laisse tranquilles. Ça, c'est la prière, hein, à Dieu. Et c'est comme ça que mon pasteur vient, il fait un séminaire. Je suis assis comme papa. 3 jours de séminaire en train de me pointer les doigts devant les gens. C'est moi, je suis prédicateur, donc je suis dans la rangée en avant. Moi, je me mets ici, ma femme se met là-bas, lui se met là-bas, sa femme se met là-bas, c'est tout. La rangée n'a que 2 couples, son couple et mon couple. Mais ils sont âgés, nous sommes des jeunes serviteurs, on est là. Et là, il prêche. Je lui dis, mais je ne sais pas. Hier soir, on était ensemble, on a parlé. Tu m'as tapé dans le dos. Tu as dit, ah, ne fais pas confiance aux fidèles. Les fidèles sont très compliqués. Ne les écoute pas. Mais demain, le séminaire, c'est sur moi. J'ai dit à ma femme, en tout cas, je quitte. Cette fois-ci-là, je quitte. Oh, les choses de, oh, humiliez-vous. Non, j'ai dit non, je quitte. Et quand je quitte comme ça, je suis en train de pleurer. Dieu me dit, je vais te justifier. J'arrête de pleurer. Je suis seul dans une voiture. Et après mon 2 ans de chômage, je trouve un petit job de chauffeur de livraison. Et quand je suis seul, je suis en train de pleurer. Dieu me parle dans l'auto. J'arrête de pleurer. On invite un invité de loin que je ne connais pas, qui vient, qui répète mes enseignements. Et moi, je suis assis là. Et les choses pour lesquelles on voulait me tuer, lui, leur invité à eux, que je ne connais pas, que je n'ai même pas salué, parce que je ne venais plus. Je suis venu seulement pour son séminaire. Il dit les mêmes choses que je disais et que j'ai reproché à l'église. Là, j'étais justifié et revenu. Et puis j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur m'a dit, à partir d'aujourd'hui, à cause du fait qu'on t'accuse, tu veux détruire la chose. Chaque fois qu'il arrive, va prendre son sac,
apporte la Bible ici et ramène la Bible là-bas. Et je suis resté sous ce leader-là pendant 8 ans de temps. Je prêche plus que lui. J'ai fait beaucoup de choses plus que lui. Avec sa permission. Mais on ne me porte pas dans le cœur. On ne porte pas ma femme dans le cœur. C'est quand lui, il est parti. Il a quitté. Que moi, je suis resté. J'ai entretenu la congrégation. Après, j'ai pris une année sabbatique et j'ai commencé l'église Sena. So, je ne l'ai jamais quitté, malgré les traitements. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est les valeurs. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas les dons. Ce n'est pas les choses. Ce n'est pas l'interprétation des Grecs, Hébreux et tout ça. Rachem, Rachem, laisse ça. Ça, ce n'est pas ça. Les dons sont protégés par les valeurs. Donc, chaque ouvrier que le maître appelle, le maître va t'appeler. Première chose, c'est l'appel. Deuxième chose, l'acceptation de l'appel. Troisième chose, la raison pour laquelle il m'a appelé. Quatrième chose, les dons qui vont donner l'appui à mon service. Sixième ou sept, les valeurs. Maintenant, si tu ne connais pas le maître, c'est là que les niveaux de blessure et de frustration sont élevés. Parce que moi, j'étais frustré, blessé, je commençais à pleurer parce que je ne comprenais pas que ce n'était pas lui qui m'avait appelé, c'est le maître qui m'a appelé. Est-ce que tu comprends ça? C'est le maître qui m'a appelé. Si tu as un job dans un restaurant et on te dit de préparer la nourriture pour les clients est assis à la table, mais ne sois pas dans la confusion. Ce n'est pas les clients ton patron. Les clients vont manger la nourriture que tu as préparée, mais ton patron est chez lui à la maison. Donc, tu ne peux pas démissionner parce qu'un client a dit, hey, vous avez mis beaucoup de sel. Mais peu importe. Parce que le patron, lui, ne m'a pas fait de reproches. Si tu connais que c'est le maître qui appelle l'ouvrier, demandez le maître d'envoyer les ouvriers dans la moisson. C'est lui qui sait que c'est le maître qui l'a appelé. Il ne peut pas continuer à être offensé à cause du pasteur. Le pasteur n'est pas le maître. On a dit prier le maître d'envoyer les ouvriers. C'est lui qui envoie un ouvrier, qui appelle un ouvrier. C'est le maître de la moisson. Ce matin, nous avons remis les certificats. Tu as reçu les certificats, mais ne sois pas dans la confusion. Ce n'est pas Douglas qui t'a appelé, c'est Jésus qui t'a appelé. C'est lui le maître de la moisson. Mais comment demain tu vas me dire, allô pasteur, pasteur Douglas m'a fatigué. Mais le maître continue à te payer. Le maître continue. C'est comme ça que dans l'église, nous avons des serviteurs faibles et confus. Parce qu'ils ne savent pas qui appelle réellement. Nous tous, nous avons fait ces erreurs-là. Moi, j'ai fouillé la ville pour qu'on ne me programme pas pour que je fasse un séminaire parce que je suis fâché contre les leaders. J'ai demandé à Dieu de me pardonner parce que je ne veux plus faire ça. Parce que quand tu deviens leader, tu comprends le prix maintenant que les gens payaient. Quand je suis devenu pasteur, j'ai prié Dieu vraiment pour tous mes pasteurs. J'ai dit, wow, c'est ce qu'ils vivaient, oh, les hommes et les femmes d'autrui. Donc, regarde le voisin, plus d'offense. Il y a plus d'offense, puis il y a plus d'offense. Le maître ne t'offensera jamais. C'est le maître qui t'a appelé. C'est le maître qui t'a appelé. Comment se fait-il qu'il y a une sœur dans l'église qui t'a mal salué alors que tu lui donnais la chaise? Ça fait 2 semaines qu'on ne te voit pas parce que tu es en train de travailler d'abord la guérison de ton âme. Mais la sœur, c'est la sœur. Le frère, c'est le frère. Celui qui a refusé la chaise, c'est celui qui a refusé. C'est le maître qui m'a appelé. Alléluia. Oh, laissez-moi tranquille. C'est le maître qui m'a appelé. Vous ne me saluez pas, je reviendrai parce que le maître m'a pointé présent. Vous ne m'appelez pas, je reviendrai. C'est le maître qui m'a appelé. C'est mon anniversaire. Vous ne m'avez pas texté. Ce n'est pas grave. Le matin, le maître m'a parlé. Oh oh. Le maître m'a souhaité bon anniversaire. J'ai eu un deuil. L'église n'est pas venue. Il n'y a pas de problème. La nuit, quand je dormais, j'ai vu un rêve. Un homme en robe blanc est venu me dire, je te console de tes douleurs. Alléluia. Quelqu'un dit gloire au maître. Quelqu'un dit gloire au maître.
Quelqu'un dit gloire au maître. Acclame ton maître. C'est lui qui t'a engagé. C'est lui qui t'a engagé. C'est lui là le maître qui t'a appelé. Si on avait compris, si moi j'avais compris que c'est le maître qui m'avait appelé, je n'irais pas pleurer dans la voiture, perdre mes larmes pour rien. Quand je n'étais pas d'accord, je quitte la ville, j'ai dit. Comme ça, quand il dit, c'est toi qui fais le séminaire, j'ai dit, oh, je suis à Toronto. Vendredi, je ne vais pas les rencontrer. Parce que je sais s'il me rencontre, il dit, dimanche, c'est toi qui prêches. Parce que j'ai pensé que je bénissais un homme. Parce que j'étais dans la confusion. C'est lui le maître qui m'a appelé. Jusqu'à ce que Dieu m'a donné ce texte-là. Ce n'est pas lui. C'est Jésus qui appelle les gens. Deuxième chose, je n'ai plus le temps. C'est quoi? C'est la moisson. La moisson ou la foule ou encore les brebis. La moisson ou quoi? La foule ou encore quoi? Les brebis. Maintenant, écoute ceci. La Bible a deux parties, deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On va te dire que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu parce que c'était essentiellement destiné aux Hébreux. 17-18% de l'Ancien Testament est en hébreu. Peut-être quelque chose comme 2%, 1% et demi en araméen. Mais l'essentiel, c'est en hébreu. Donc, la deuxième partie de la Bible, on va t'écrire que c'est écrit en grec. Maintenant, la langue est un véhicule de culture. Donc, quand tu médites l'Ancien Testament, tu as le langage de Dieu qui parle à un peuple pratico-pratique. Quand tu médites le Nouveau Testament, la culture, la civilisation est dominée par la Grèce en termes de culture. Le pouvoir est tenu par les Romains sur le plan militaire et politique en Israël. Donc, les gens instruits parlent les Grecs. Les autres parlent un peu les Hébreux. Les gens qui sont revenus de l'exil parlent un peu araméen parce qu'ils ont un mélange d'hébreu et d'autres langues chaldéennes. Mais les Romains dirigent sur le plan politique et militaire, mais la Grèce a dominé sur le plan de la culture. C'est à ce moment-là qu'il y a le grand philosophe qui sort. Voilà pourquoi le Nouveau Testament utilise un langage assez abstrait, philosophique, n'est-ce pas? Philosophique. Et donc, c'est là que les choses comme hein, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. À l'Ancien Testament, on ne comprend pas si tu dis ça. À l'Ancien Testament, nous luttons contre les Amoréens et les Madianites. Alors, donc, quand Dieu parle à Israël dans l'Ancien Testament, il est trop dans le langage pratico-pratique et il prend la pratique pour que tu reçoives la révélation. Donc, c'est comme ça qu'il dit, je suis un arbre planté près des courants d'eau. N'est-ce pas? Je suis le lion de la tribu de Juda. Il sait que tu es un villageois, donc tu as déjà vu un lion. Ou bien tu as entendu l'histoire d'un lion. Tu comprends ce qu'un lion fait. Un arbre planté plein de courants d'eau, il veut que de ce que tu connais, tu aies la révélation de ce que tu ne connais pas. Tu pars de ce qui est commun pour toi. Et puis, donc, alors, maintenant, Dieu dit ceci, que la foule, parce que c'est un juif, hein, n'oubliez pas, il est dans le Nouveau Testament, mais c'est un jeune rabbin juif. Alors, il dit ceci, la foule ou la moisson, ce sont des brebis. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu veut que tu médites sur la brebis pour que tu puisses bien comprendre qui sont les gens que nous servons. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus dire que c'est un membre de l'église qui t'a découragé. Pourquoi? Il n'est pas le maître.
Est-ce que tu comprends ça? Il n'est pas le maître. Là où tu travailles là-bas, tu ne comptes, tu ne. J'espère que ce n'est pas un collègue qui va te chasser un jour du travail. La première chose que tu vas lui dire, mon CDI là, j'ai signé avec toi. Si toi tu n'aimes pas, tu m'aimes pas, toi trouve un autre emploi. Moi je ne quitte pas ici jusqu'à ce que le PDG va dire. Mais pourquoi à l'église nous ne le faisons pas? De dire à quelqu'un, même à moi le pasteur, je dis frère tu me fais des problèmes, tu dis papa tu vas me supporter. Parce que c'est Jésus qui m'a envoyé ici. Maintenant aujourd'hui les fidèles sont, tu sais nous à notre époque, 15 minutes après tu n'entres plus à l'intercession. On faisait l'intercession à genoux, 2 heures du temps, tu ne peux pas bouger. Quand tu rentres là-bas, va déjà dans la salle de bain, fais tout cela, tu n'entres pas. Les bébés ne viennent pas, personne ne vient, on est à genoux, nos mains sont levées jusqu'à ce qu'on donne la deuxième intention. Et donc, si tu viens 15 minutes après, tu n'entres pas. Et quand tu arrives 15 minutes après, tu peux cogner comment tu vas nous déranger, on n'ouvrira pas. Mais après 2 heures de prière à genoux, les mains levées, quand nous sortons, nous trouvons quelqu'un à genoux devant la porte. Il n'est pas parti. Aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, tu me fermes la porte. D'abord, je me fais un selfie avant la porte. J'ai dit, ici, moi, quand je vais quitter pour partir, et puis je vais dans les quicks, je me filme encore. Dans les quicks. Et puis quand j'arrive quelque part, je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Moi, je ne suis pas très bon dans les réseaux. Pourquoi quand vous faites les choses, vous faites comme ça? Quand vous filmez la nourriture, pourquoi vous ne filmez pas? Il faut faire ma faim. Je regarde mes filles, je dis, mais qu'est-ce que vous avez? Je regarde. Aujourd'hui, tu fermes la porte à un intercesseur. Hein? Tu me fermes la porte une fois, deux fois, trois fois. Tu vois seulement une affiche là-bas. Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours avant l'enlèvement, pasteur Michaud. Mais à notre époque, on te ferme la porte. Nous, on pense que la personne est partie. On ouvre la porte 18h. De 18h à 20h. À 20h, on trouve la maman à genoux. Donc, elle mettait l'oreille à la porte. Écoutez l'intention et priez. Écoutez les requêtes et priez. Parce qu'elle avait compris que c'est Dieu qui l'a appelé. Maintenant, deuxième chose, c'est quoi? Brebis. Sur le Seigneur veut que tu me dis sur la brebis. Tu sais, la brebis, première chose que tu dois écrire pour les brebis. Les brebis, ça veut dire le membre de l'église. Premièrement, ils ont besoin de direction. Les brebis ne se promènent jamais seules très bien. C'est-à-dire que l'église doit être dirigée. Regarde mon voisin, dit l'église doit être dirigée. Je ne parle pas d'être écrasé par une autorité qui manifeste le manque d'assurance, mais je parle de direction. Aucune organisation n'évolue s'il n'y a pas de direction. Les brebis doivent être dirigés. Dieu ne les appelle pas brebis pour que nous puissions lire B-R-E-B-I-S. Non. Pour que tu commences à méditer. Brebis, attends. C'est quoi? Comment elles fonctionnent? Première chose, besoin de direction. Deuxième chose, besoin de protection. Mes brebis attendent ma voix. Ils n'accéderont pas à un mercenaire, les loups ravisseurs. C'est-à-dire que le peuple de Dieu doit être protégé. Regarde mon voisin, dis-lui, protégeons les âmes. Oh non, moi en tout cas, bon, si tu viens, tu viens. Hein? Si tu ne viens pas, tu ne viens pas. Dans notre église, c'est Dieu pour tous. Chacun pour soi. Et Dieu pour... Quand on va te demander dans quel livre, tu dis dans les glossaires, livre de glossaires. Tu sais, après Apocalypse, glossaire, là on met le vocabulaire. Non. Les brebis ont besoin de quoi? De protection. So, un ouvrier doit prier pour les brebis. La protection commence dans la prière. La protection commence dans protéger leur âme pour qu'ils ne se blessent pas. Ne pas répondre et faire des choses qui blessent les gens à l'église. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Ne pas faire la 95% des départs à l'église sont liés aux problèmes d'offense.
pas de doctrine, c'est offense mal gérée. On va trouver des raisons cachées pour le faire. C'est offense mal gérée. Donc un ouvrier qui dérange les gens, qui blesse les gens, qui font ceci, ce n'est pas un bon ouvrier. La dernière chose que moi j'accepte à côté de moi, c'est de maltraiter une brebis. Parce que le Seigneur l'a appelé brebis, pas lion. Premièrement, problème de besoin de direction. Deuxièmement, besoin de protection. Troisièmement, besoin de soins. Je prends les unes dans mon sein, les autres, je puisse leur donner les seins. Voilà pourquoi la Bible dit, les brebis fortes, on les conduit rapidement. Celles qui sont faibles, on marche lentement avec elles. Dans l'église, on ne traite pas tous les brebis de la même manière. Dans l'église, on ne parle pas à tout le monde de la même manière. On ne conseille pas les gens de la même manière. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des gens, quand tu viens au Sénat, par exemple, là-bas, pour ne pas parler de l'apôtre, mais tu vas voir des gens, ils peuvent faire n'importe quoi à l'église, je vais juste regarder. Mais il y a certains de mes jeunes pasteurs, là, surtout un là que j'ai envoyé à Cornwall, docteur, apôtre le connaît, Joël. J'ai crié sur lui comme si j'ai dit, Joël, écoute petit, c'est parce que tu as fait le sport. J'ai demandé que vous puissiez mettre ça pour le peuple de Dieu, vous n'avez pas fait. Je lui dis, petit, moi je suis dans Éphésiens chapitre 4. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais te donner les 5 ministères. Mais comme il a fait les sports, j'arrête ça là. Donc, si je parle à quelqu'un qui vient d'arriver à l'église, je ne parle pas comme à un serviteur que j'ai coaché, avec qui j'ai travaillé. J'ai semé des choses à lui. La Bible dit, à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Regarde mon voisin, dis-lui, protégeons les brebis. Il faut protéger les brebis. Problème de direction, problème de protection, besoin de soins. Quatrième chose, les brebis, le Seigneur a dit quoi? Brebis. Aucune église ne peut prospérer sans la prospérité de ses brebis. Parce que les brebis te donnent premièrement quoi? La laine. Et deuxièmement, les brebis te donnent quoi? La viande. Et puis troisièmement, le lait. Quand quelqu'un entre là-bas, n'importe comment, papa, maman, ne négligez pas. Oh, je te dis, n'appauvris pas mon église. Oh. Quand quelqu'un rentre là-bas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas celui qui entre là-bas. Les brebis, malgré leur fragilité, mais si tu n'as pas de brebis, tu n'as pas de manteau. Si tu n'as pas de brebis, tu n'as pas de viande. Si tu n'as pas de brebis, tu n'as pas de lait. À partir d'aujourd'hui, ne négligeons plus les membres de l'église. Ne néglige pas les membres de l'église. Ne néglige pas les membres de l'église. Tu ne sauras pas. Moi, il y avait un homme très simple qui rentre, qui me donne seulement son prénom. Je lui pose la question, donne seulement son prénom. Je commence un projet pour acheter le bâtiment de l'église. Mes cheveux commencent à devenir blancs parce que la date arrive, je n'ai pas l'argent. Je vois un homme qui rentre dans le bureau avec sa femme. Et il me dit, ce que je vais te dire, que ça reste dans le bureau. Je te donne $50,000. Après, je n'ai pas l'argent. Il me manque encore. Il dit, je viens, je te donne $150,000. Je prête à l'église sans intérêt. À rembourser pendant 2 ans. Tu sais, 2 ans de 150 000 avec intérêt.
mais lui m'a donné sans intérêt. C'est comme ça que j'ai conclu mon affaire. Les brebis, c'est eux qui font fonctionner l'église. Mais il faut faire attention. Il y a certaines brebis qui rentrent dans un état et c'est à l'église qu'ils vont changer. Est-ce que tu comprends ça? C'est à l'église qu'ils vont changer. C'est à l'église qu'ils vont changer. Un jour, je vois un jeune homme qui rentre, qui vient dans mon bureau et qui me pose la question sur la Bible. Je lui réponds, il part. Un petit jeune homme, mince, sans forme, ni sans éclat, ni beauté. Après, il revient, il m'aide à arranger certaines choses. Et puis, dans une réunion, on est là avec l'apôtre Roland. Et tout ça, là, il dit, toi, viens, 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 viens. Dieu me dit, tu seras comme Bill Gates. Le petit là qui est entré simple comme ça. Aujourd'hui, il a une entreprise de haute technologie. Un jour, il m'a dit, papa, je vais ouvrir les actions de mon entreprise. Est-ce que tu veux acheter? Je lui ai dit, au nom de Jésus, je vais acheter. Il dit, je vais ouvrir ça d'abord à la famille et à certaines personnes. Et toi, si je ne le fais pas, ma femme va me tuer. Parce que sa femme, c'est vraiment une fille pour moi. Est-ce que tu comprends ça? Les brebis peuvent entrer sans beauté ni. Respectons chaque brebis que le Seigneur envoie. Il y a des gens qui ne nous donneront pas beaucoup, mais qui connaissent les gens qui vont nous donner beaucoup. Il y a des gens qui ne donneront pas beaucoup, mais ils connaissent quelqu'un à la ville. On ne néglige pas les brebis. On ne néglige pas les brebis. Est-ce que tu comprends ça? On ne néglige pas les brebis. Chaque personne, moi c'est la règle chez moi. Chaque personne qui vient, on traite, on te connaît, on ne te connaît pas, on te traite bien. Le nouvel ambassadeur de mon pays d'origine au Canada, il dit, pasteur, je ne comprends pas pourquoi les gens commencent à se plaindre parce que je ne visite que ton église. Mais c'est parce que quand il était venu, on l'a bien accueilli. Il a dit, ne me présentez jamais. Mais il a dit, pasteur, si tu as besoin de quelque chose, appelle. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore appelé. Ouh, je sens comme le temps d'appeler arriver. Chaque fois qu'il me voit, il me dit, mais pourquoi je t'ai dit, si tu as un problème, appelle, tu n'appelles pas. J'ai dit, je suis encore en prière pour que Dieu me donne le montant que je vais te demander. Besoin de direction. Ne laissez pas les enfants de Dieu sans leur donner une direction claire. Et on ne peut pas donner aux gens une direction claire si nous-mêmes, nous ne savons pas là où nous allons. Toi, tu es ouvrier. On dit, bientôt, l'église va déménager, les projets de construction avancent. Mais écoute l'ouvrier. Ah, avec les choses de déménagement là, non, les brebis qui t'attendent voient que le leader n'a pas de vision, le leader n'a pas de direction. Moi j'avais un trou d'argent pour acheter, mais de la manière dont j'ai dansé en avant ici, même les démons m'ont laissé parce qu'ils disent, ah, il a déjà ça, mais je n'avais pas, parce que le peuple de Dieu aime un leader qui leur montre la direction. Besoin de direction, besoin de protection, besoin de soins et capacité de produire. Les brebis amènent une certaine richesse. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails. Troisième relation triangle. Troisièmement, c'est l'ouvrier. L'ouvrier. L'ouvrier, dans la relation triangulaire, il reçoit l'appel, mais après, il reçoit la provision. La Bible dit ceci, personne ne s'engage dans l'armée à ses propres frais. C'est-à-dire que chaque fois que le Seigneur fait de toi un ouvrier, il te donnera des capacités surnaturelles. Ne t'inquiète pas beaucoup pour ce que tu fais, Dieu le fera avec toi. Est-ce que tu crois ça? Dieu le fera avec toi. Que ça soit balayer, que ça soit compter l'argent, que
que ce soit évangéliser, faire la vidéo. Si Dieu t'appelle, Dieu te rend capable. Dieu ne donne pas seulement le don de chasser les démons. Il donne aussi le don de construire l'arche. De tailler la pierre. Donc tout ce que nous allons faire, Dieu va nous donner. Dieu va te donner des capacités et des moyens. Après cela, Dieu va te donner le salaire. Il a dit, ne prenez ni bourse ni sac, parce que l'ouvrier a droit à son salaire. Mais seulement le problème avec Dieu, c'est qu'il ne paye pas toujours en billets d'euros. Est-ce que tu comprends ça? Dieu peut, au lieu de te donner 1000 euros, te donner une réduction de 1000 euros. En fait, il t'a donné 1000 euros. N'est-ce pas? Dieu peut te réduire les choses. Au fait, il t'a donné. Il peut réduire des choses pour toi. J'ai dit tout à l'heure, quand Dieu commençait à me sortir de ces moments de crise où je portais la même chemise tous les jours et le même costume tous les jours, ma force, c'était dans mes cravates de 1 $. Et j'ai frappé les gens d'aveuglement. Un jour, je rencontre une dame. Elle avait des problèmes de goitre, hein? Des choses comme ça. Elle s'inquiétait qu'on la déclare qu'elle a des cancers et tout ça à la gorge. Elle est venue dans mes prières que je conduisais à l'époque et Dieu l'a guérie instantanément. Et puis elle est venue me voir. Bon, tu vois, mon mari est docteur en sociologie de Sorbonne, mais ça ne marche pas. Et je veux prier pour toi pour que tu fasses des affaires. Elle est devenue une grande dame d'affaires jusqu'à aujourd'hui. Pendant 10 ans, elle m'a donné des chaussures parce que j'ai prié pour elle pour que Dieu lui ouvre la voie de l'Italie. Et pendant 10 ans, je ne savais pas combien coûtent les chaussures. C'est maintenant que je me bats pour essayer d'acheter. Et je suis fâché contre Douglas parce qu'il achète les chaussures, il ne me dit pas où est-ce qu'il achète. Et la dame, chaque fois qu'elle venait, elle appelait pasteur Sissi. 2 paires pour le pasteur. Il y en a même quand j'ai regardé, j'ai dit, oh maman, ça, si je porte ça, je vais donner à quelqu'un. Parce que c'est trop à la mode, tu vois. Moi, j'aime un peu être calme. Donc, pendant 10 ans, ça veut dire que pendant 10 ans, Dieu m'a donné l'équivalent des billets aller-retour Ottawa-Naples. Pendant 10 ans, Dieu m'a donné l'équivalent de chambres d'hôtel à Naples. Et Dieu m'a donné l'équivalent des chaussures de Homo, Cuiro, Cuiro, Homo, et tout ça là. Tu vois, Dieu n'a pas toujours besoin de te donner les billets d'euros. Et pendant ce temps-là, il m'arrivait à dire au Seigneur, Seigneur, cette veste noire avec cette chemise-là, je l'ai beaucoup portée. Aie pitié de moi, pauvre pécheur. Je veux une chemise peut-être bleue avec une veste interne. Directement, quelqu'un m'a amené ça. Dieu ne me donnait pas l'argent. Il me donnait ce que l'argent allait me donner. Quand tu travailles pour Dieu, attends-toi à ce que Dieu te paye, mais laisse-lui le choix de te payer comme il fait. Au lieu de te donner l'argent, Dieu peut juste épargner une maladie pour que tu ne perds pas l'argent avec des congés qui n'ont plus de congés maladie. Mais le plus important pour l'ouvrier, ce sont ses valeurs. C'est comment? Les valeurs. N'accepte jamais d'être un ouvrier déloyal. Reste loyal même quand les gens ne sont plus loyaux envers toi. Dieu va toujours t'honorer. N'accepte jamais. N'accepte jamais. N'accepte jamais de servir par intérêt. N'accepte jamais. N'accepte jamais de trahir celui qui t'a aidé. «
Mon pasteur à l'époque s'inquiétait de moi au petit. Je vois que toi tu vas faire. Je lui ai dit, je ne le ferai jamais. Je resterai dans mon bureau à la fonction publique. Je ne le ferai jamais. Après ce moment de partage, ma prière pour nous les ouvriers, c'est que premièrement, que nous puissions bien identifier le maître. Et qu'à cause de cela, les crises de colère, les saisons de découragement, les absences à cause des offenses et des frustrations, que ça reste loin de nous au nom de Jésus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je sais, c'est le maître qui m'a appelé. À partir d'aujourd'hui, ma prière pour toi et moi, c'est que nous puissions accepter l'appel pour découvrir pourquoi il nous a appelés. Et qu'on ne commence pas d'abord à poser la question, quel est mon ministère, alors qu'on n'a pas d'abord accepté l'appel. Quand tu acceptes l'appel, tu es juste disposé qu'il te demande de faire tout ce qu'il veut. Est-ce que tu comprends ça? Le ministère évolue. Dis à mon voisin, le ministère évolue. Philippe n'a pas été recruté comme évangéliste. Il a été recruté comme distributeur de nourriture. Mais ma Bible me dit, dans le chapitre 6, il distribue la nourriture. Dans le chapitre 7 des Actes, on tue son ami Étienne. Dans le chapitre 8, ma Bible dit, il ne distribue pas la nourriture, mais il distribue la délivrance et la guérison. Le ministère évolue. Le problème, c'est que nous n'avons pas une autre Samarie parce que nous n'avons pas accepté de commencer par distribuer la nourriture. Ma prière pour toi et moi, c'est que nous ne puissions plus jamais négliger les brebis. Ouvrier à l'église et tu dis qu'avec lui, on ne se salue pas. Hé, papa, tu veux me perdre le lait? La viande? Et la laine, tu ne salues pas la brebis du Seigneur, la personne pour laquelle le Seigneur a eu compassion, émis de compassion, pas pour le pasteur, pour ses brebis. Et il envoie les brebis, et toi tu dis, nous sommes en conflit ces derniers temps, on ne se salue pas. Waouh! Ma prière, c'est que le pouvoir de l'offense et de l'orgueil soit brisé sur nos vies au nom de Jésus. Ma prière, c'est que Dieu te donne des capacités surnaturelles. Dans quelque domaine que ce soit, que Dieu t'assiste. Dieu est capable de nous aider. Tu sais, moi, je termine par là. La dernière chose que je pouvais supporter dans ma vie, c'est parler devant un étranger. J'ai étudié le droit, les gens me demandaient, mais tu es devenu fou. Toi, tu es incapable de parler devant quelqu'un. Et tu vas devenir un avocat. J'ai dit, non. Il y a beaucoup de choses en droit. Moi, je vais faire le droit de travailler comme conseiller dans une entreprise, dans un bureau fermé. Je n'aimais pas être un avocat, un juge, parce que je devais parler en public. Mon épouse est là. Je l'ai invitée de venir chez nous. Elle est venue. Quand elle est venue, papa, elle ne venait pas. Et puis le jour où j'ai dit, si elle ne vient pas aujourd'hui, prophète, je ne l'appellerai plus. Et ce jour-là, j'ai attendu, elle n'est pas venue. Je sortais de notre rue pour aller prendre de l'air parce que j'étais tellement fâché. Et puis je la vois en train de venir. Je dis, mais pourquoi tu ne venais pas? On dit, maintenant je suis venu. Non, allons chez vous à la maison. On part chez nous à la maison, j'avais que 22 ans. Elle arrive là-bas, la fille d'autrui, maintenant est là. Je ne suis pas capable de parler à quelqu'un. Tu sais ce que j'ai fait, papa? J'ai pris une cassette vidéo des matchs de football. Comme j'aimais tellement le football. Et j'ai mis les matchs de football. Tiens, des regards. Oh, lui, vraiment. Oh là là. Regarde comment il joue. Oh là là. La fille est là. La fille a vu que, écoute, le chauffeur va venir nous chercher à notre boutique. Moi, je pars. Quand j'ai senti ça à la porte, j'ai largué la bombe. Mais moi, je ne pouvais pas parler. Et quand mon père spirituel commençait à me parler de prêcher, j'ai dit non. Moi, j'ai dit, je vais chercher dans l'église un poste où les gens ne parlent pas. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que moi, je parle beaucoup, mais en principe, moi, je ne parle pas. C'était très difficile de parler devant les membres de ma famille.
quand je voulais parler à quelqu'un de ma famille, mon visage tremblait. J'étais tellement gêné et embarrassé. Mais le Seigneur est capable de te rendre capable de faire ce qu'il va te demander de faire. N'oublie pas, l'apôtre Paul a dit, personne ne s'engage dans l'armée à ses propres frais. Il y a le magasin pour acheter les varices de Paris Saint-Germain. Il y a des magasins pour acheter les sacs. Il y a des magasins pour acheter même l'uniforme qui ressemble à l'uniforme de ton entreprise. Il y a des magasins pour acheter l'uniforme de l'église. Mais il n'y a pas de magasin pour acheter les kalachnikovs, les obus nucléaires. Tu sais pourquoi? Parce que l'État doit les fournir. Aucun ouvrier ne sert Dieu avec ses moyens. Si Dieu te demande de servir même avec l'argent, arrête de douter. Parce que Dieu ne prend jamais ce qu'il n'a pas donné. La seule raison qu'il a pris Samuel, c'est parce que c'est lui qui avait donné Samuel. La seule raison qu'il a dit « Amène Isaac à la montagne pour me l'offrir », c'est parce que d'abord c'est lui qui avait donné Isaac. Toi, tu étais déjà essoufflé avec ton âge. So, Dieu ne prend pas ce qu'il n'a pas donné. Si Dieu nous dit que nous devons trouver l'argent pour finir la construction, ne commence pas par dire « je les trouverai où ?» Mais il doit te les donner pour que tu les rendes. Si Dieu prend ce qu'il n'a pas donné, il n'est plus la source de toute chose. Si Dieu prend ce qu'il n'a pas donné, qui a donné à Dieu? C'est une insulte de dire à Dieu que tu lui donneras ce qu'il n'a pas donné. Parce qu'il est censé être la source de tout. Donc si Dieu veut que je le serve avec l'argent, il commencera par me les donner. Est-ce que tu comprends ça? Si l'argent de Saphira et Ananias appartenait réellement à Saphira et Ananias, tu ne les tues pas. Je prie maintenant. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je te dis merci pour ces précieux ouvriers et ouvrières dans la moisson du Seigneur. C'est un privilège pour moi de parler devant les gens qui sont peut-être plus consacrés, plus engagés, plus intègres que moi. Des modèles. Toute une semaine et ce matin encore, jusqu'à cette heure, engagés dans ton œuvre. Ma prière, Seigneur, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, que le maître qui les a appelés les accompagne. Que le maître que tu es leur parle. Que l'appel soit accepté. Que le ministère soit révélé. Que les grâces et les dons soient réactivés et activés. Que les valeurs nous protègent. Ma prière, Seigneur, c'est que les brebis du Seigneur, que tu nous donnes la patience, l'amour envers les brebis. Ma prière, Seigneur, c'est que chacun de nous se souvienne que je suis comme un militaire. Si je suis engagé, je n'irai pas au magasin chercher à acheter mon propre revolver, ma propre arme. Le gouvernement va me l'offrir. Alors je te dis merci pour la provision. Je te dis merci pour les capacités. Je te dis merci surtout pour les salaires, parce que la Bible dit Dieu est débiteur des personnes. La Bible dit l'ouvrier méritera son salaire. Je prie, Seigneur, et je déclare que tu payes par l'argent, que tu payes par la santé, que tu payes par la délivrance, que tu payes par le mariage de mon frère et de ma soeur et des enfants, que tu payes par les entreprises, que tu payes par l'élévation, que tu payes par la distinction, que tu payes, Seigneur, par des carrières bénies au nom de Jésus-Christ. Merci de donner à chacun la révélation de la valeur des brebis. Qu'on les regarde différemment. Je prends autorité dans le nom de Jésus contre l'esprit d'offense. Je brise son pouvoir sur le cœur des serviteurs de Dieu. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les regards ne sont plus dirigés vers les leaders. Les regards ne sont plus dirigés vers le peuple. Les regards sont dirigés vers le maître, le véritable maître. Les hommes et les femmes sont là pour que nous puissions leur servir le repas. Mais le patron du restaurant, c'est toi. Ceux qui reçoivent nos services ne sont pas ceux qui doivent nous payer. Ne sont pas ceux qui nous ont appelés. Seigneur, laisse que ces humbles partages et révélations habitent dans le cœur de ton serviteur et de ta servante.
et que chaque fois que tu regardes Sep, que tu ne sois plus émis de compassion à cause de la fatigue. Que tu ne dises plus à Sep, les brebis sont comme sans berger. Et si tu regardes le peuple de Sep, que ta compassion soit à cause de ton amour pour leur guérison, leur délivrance et leur épanouissement. Fais de nous des ouvriers épanouis et non plus frustrés. Au nom de Jésus. Amen. Oh, merci beaucoup. Thank you so much. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Est-ce qu'on peut donner une dernière offrande d'acclamation alors qu'on est en train de finir? Gloire à Dieu. Merci. Waouh, quel message profond. Je crois que ça, c'est une école, ce qu'on vient de recevoir ce soir. Merci beaucoup, docteur. Merci, merci. Merci à nous tous, chers ouvriers, chères ouvrières. Je sais que ça n'a pas été facile, mais vous avez été là. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui ont servi pendant également le temps du séminaire depuis mercredi. On est donc engagé chaque jour. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Amen. Ok, nous nous séparons dans la paix. Et voilà, excellente semaine dans la présence de Dieu. Et à très bientôt. Merci.